Bien, chez Scott, toujours Serge Chevalier 2011, on a testé le nouveau pur, nouveau pour la déco exclusivement. Donc on voit un ski extrêmement beau, il a vraiment séduit toute l'équipe par son look. En ce qui concerne en revanche la partie technique, eh bien c'est un pur ferraille comme d'habitude avec le pur en 188. C'est voilà un ski qui a plus de 20 mètres de rayon de virage. Donc un ski dont la piste neige dure, ça va pour aller très très vite. Mais on ne fera pas de godille avec, quoi, hein, c'est pas le programme. En revanche, avec des bonnes cuisses, c'est une référence absolue dans le freeride. Donc, nouveau look, déco d'enfer pour celui qui veut s'amuser. Un ski référence. Ouais, exactement. Freeride number one. Ça veut dire que c'est un ski qui est aussi beaucoup employé par des pisteurs. Alors, il existe un 193, je me suis fait expliquer ça tout à l'heure par les techniciens de chez Scott. Donc, d'apparence identique, mais en fait, le 193, il a 101 de largeur de patin et il est beaucoup plus freeride. C'est-à-dire, autant celui-ci peut être considéré comme un ski polyvalent, autant le 193, c'est exclusivement pour du gros backcountry et du gros freeride. Ok, merci Rémi.